Bonjour tout le monde, ici Stéphanie Etu. Je fais une petite vidéo sur la plage avant de prendre une douche d'orage. Donc, ça s'en vient. On voit derrière moi qu'il commence à pleuvoir déjà. C'est magnifique, évidemment. Les veilles d'orage sur le fleuve, c'est superbe. Alors, aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Est-ce que vous devriez avoir une page Facebook ou un groupe Facebook? Donc, en ce moment, je suis beaucoup de mentors américains et il y a une grosse migration vers les groupes Facebook. Et de plus en plus laissent tomber leur page ou du moins s'en servent de manière très différente. Et je voulais vous aider à comprendre pourquoi ça se passe en ce moment. Donc, il y a dans les débuts des pages Facebook, le but était d'aller chercher le plus de fans possible, donc de gens qui avaient cliqué « j'aime ». Et à chaque fois que vous écriviez quelque chose sur votre page, tout le monde qui avait cliqué « j'aime » voyait ce que vous publiez. Donc, c'était génial. C'est comme de se bâtir une liste de prospects, de gens qui vous suivent, et à chaque fois que vous aviez quelque chose à dire, tout le monde voyait l'information. Ensuite, quand Facebook a décidé de monter le volume sur les publicités, ce qu'ils ont fait, c'est que pour amener les gens qui avaient des pages avec beaucoup de monde à dépenser davantage en publicité, ils se sont assurés qu'il y ait moins de gens qui voient l'information à chaque fois que vous publiez quelque chose. Si vous allez voir dans vos statistiques en ce moment, il y a fort à parier qu'il y a environ 15 à 25 des gens qui voient vos messages quand vous les publiez. Évidemment, il y a des stratégies pour augmenter ce pourcentage-là. On ne veut pas le laisser le plus bas possible. Mais ce que ça veut dire quand il y a 15 % des gens qui voient votre message, c'est que sur chaque 100 personnes qui ont cliqué « j'aime » sur votre page, il y en a juste 15 qui voient votre message. Ça veut dire que ça en laisse beaucoup de gens qui ne voient même plus passer ce que vous avez à proposer. Et c'est maintenant, à veille de changer encore, Facebook a annoncé que ça va encore être modifié au niveau de l'algorithme et qu'il va y avoir encore moins de gens qui vont voir l'information parce que pour eux, c'est très rentable. Ça fait en sorte que les propriétaires de marques réinvestissent en publicité pour que les gens qui ont cliqué « j'aime » voient leur message. Donc, c'est payant pour Facebook. Qu'est-ce qui est arrivé alors? C'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font des affaires sur le web qui ont commencé à migrer vers les groupes. Pourquoi? Parce que un groupe, bon, il y a trois statuts de groupe. Il peut être public, il peut être fermé, puis il peut être secret. Quand on a un groupe public ou un groupe fermé, tout le monde peut devenir membre. C'est nous qui décident qui on laisse rentrer. Mais ça fait un environnement contrôlé. Et pour le moment, c'est important de le dire, pour le moment, quand vous publiez quelque chose dans votre groupe, à peu près tout le monde reçoit une notification qui les avise. Donc, ils reçoivent une alerte qui leur dit que vous venez de publier quelque chose. Ce qui fait que si vous avez 100 personnes dans votre groupe, il y a presque 100 personnes qui vont voir votre message comparativement à 15 ou 20 personnes qui verraient le même message sur votre page. Et l'autre avantage d'un groupe, c'est que ça crée vraiment, moi, ce que j'appelle un laboratoire marketing. Ça crée un environnement fermé où vous êtes propriétaire de l'endroit. C'est comme votre local un peu. C'est un peu comme de le voir comme si vous aviez un local fermé, une salle de classe ou une salle de rencontre ou un petit café qui vous appartient. Et c'est vous qui dictez les règles, vous dictez comment ça se passe et vous pouvez créer des superbes échanges avec les gens. Moi, ce que je fais, c'est que je m'en sers pour attirer à moi les clients idéaux, donc des gens qui peuvent potentiellement être intéressés par mon message et avec qui je peux créer une relation, leur offrir du contenu. Donc, je me permets dans mon groupe Facebook d'offrir des contenus que je ne publie pas nulle part ailleurs parce que je ne veux pas que tout le monde le voit. Je veux que ce soit juste les gens qui peuvent potentiellement être intéressés par ce que j'ai à dire, qui puissent le voir. Donc, moi, c'est vraiment une espèce de terrain de jeu pour moi et je trouve ça hyper agréable parce que ça permet d'être 100% moi-même dans mon marketing. Et tout le monde peut le faire, cette chose-là. Il s'agit de démarrer un groupe de la bonne façon, d'offrir quelque chose au départ parce que, évidemment, si vous offrez rien, les gens ont plus ou moins de raisons de venir se joindre à vous et de l'alimenter et d'établir des règles très précises dès le départ. Alors, voilà, c'était la différence entre les deux. Je sais que c'est pas tout le monde qui veut se démarrer un groupe, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que dans quelques semaines, le 19 juillet, en fait, je démarre une nouvelle formation sur le sujet qui s'appelle « Je crée ma communauté engagée ». Donc, si c'est quelque chose que vous voulez apprendre à faire de la bonne façon dès le départ avec un système que moi, j'ai personnellement testé et qui fonctionne vraiment bien, je vous invite à regarder sous la vidéo, vous allez avoir le lien vers les détails. Sinon, aucun problème, évidemment, vous savez, je suis là pour vous partager beaucoup de contenu gratuit aussi, mais je voulais vous partager l'information pour que vous soyez au courant de ce qui se passe en ce moment sur Facebook, si ce n'était pas le cas.
et que vous décidiez si pour votre entreprise, c'est quelque chose que vous voulez faire, de mettre en place une communauté qui vous appartient, où vous contrôlez le message et où vous vous amusez aussi en même temps, que vous êtes vraiment vous-même là, dans votre marketing. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de week-end. À très bientôt!